bonjour, bonsoir le monde. Nous venons encore avec une autre vidéo. Merci à tout le monde qui est déjà abonné avec Chanel. Merci à tout le monde qui pourra l'abonner avec Chanel. Nous ne pouvons pas oublier pour nous dire merci. Et les gens qui ne sont pas abonnés, encourager à faire ça. Apprendre une langue, c'est un bagage qui est important. Depuis que vous apprenez l'anglais, vous avez des possibilités pour parler ou pas bébé. Si vous ne parlez pas l'anglais, c'est comme si vous bébé. Vous n'avez pas parlé, vous avez dit, vous avez dit, vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas ça, vous bébé. Eh bien, c'est peut-être ça que vous décidez de chaque haïtien pour apprendre l'espagnol. Apprenez avec nous. Mais il faut que nous gagnions ça, les volontés et puis la persistance. Si nous persistons, nous n'avons pas besoin. Cherchez, vous êtes capable. Si on l'autre monde parle espagnol, vous êtes capable. Et si vous parlez espagnol, ça fait d'eau. Je ne dis mon job. Ça fait d'eau, travaille bien. Ça fait mon respect autour. Et bien, apprenez avec nous. Je dis à nous pas parler de temps. Classe avant, nous avons parlé de temps et division de temps. Je dis à nous parler de temps tout simplement. Le temps est le tiempo. El tiempo. Le temps. El tiempo. El tiempo. Vamos a hablar del tiempo hoy. El tiempo. El tiempo, c'est le temps. Ça veut dire tout ça nous va dire là. Il y a un rapport avec le temps. Il y a un rapport avec temps. El tiempo. El tiempo. Le temps. Que tiempo hace hoy? Es una pregunta. Es una pregunta. Sencilla. Pero a la vez complicada. Que tiempo hace hoy? Verbe hace. Hace. Qui signifie faire. En français, que tiempo hace hoy? Que tiempo hace hoy? Quel temps fait-il aujourd'hui? Quel temps fait-il aujourd'hui? Que tiempo hace hoy? Dile, que tiempo hace hoy? Que tiempo hace hoy? Quel temps fait-il aujourd'hui? Ou capable d'écrire temps, ou parler de temps. Je dis à le café beau temps, demain fait mauvais temps. Tant que semaine qui passe, il y a fait cyclone, il y a une tempête. En décembre, il y a fait Freddy. Tant que il fait chaleur, il fait chaud. Il y a côté, il fait frais. Temps li normal, li clair, li sombre, li nuagé. Mais c'est de ça nous allons parler. El tiempo. Que tiempo? Que tiempo? Hace hoy. Quel temps fait-il aujourd'hui? Para responder, se puede decir, pour répondre, vous capable de dire, hoy. Hace muy buen tiempo. Hoy hace muy buen tiempo. Je veux dire, il fait beau temps. Il fait beau aujourd'hui. Hoy hace muy buen tiempo. Hoy hace muy buen tiempo. Dile, hoy hace muy buen tiempo. Il fait beau aujourd'hui. Il fait beau aujourd'hui. Hoy hace muy buen tiempo. Hoy hace muy buen tiempo. Hoy hace muy buen tiempo. Il fait beau aujourd'hui. ¿Qué tiempo hará mañana? Ça, c'est toujours verbe. Faire au futur simple. Le verbe faire. Au présent de l'indicatif,
le verbe faire au présent de l'indicatif, le verbe faire au futur simple. Le verbe faire au futur simple. Que tiempo hará mañana? Hein? Quel temps fera-t-il demain? Quel temps fera-t-il demain? Qui t'en la fait demain? Que tiempo hará mañana? Mañana signifie demain. Que tiempo hará mañana? Dile. Que tiempo hará mañana? Que tiempo hará mañana? Que tiempo hará mañana? Se puede ver en el inicio, punto de interrogativa, y al final, punto de interrogativa, porque es una pregunta. En el futuro, ¿qué tiempo hará mañana? ¿Qué tiempo hará mañana? Bien, para responder, pour répondre, on dit, mañana puede hacer un buen tiempo. Aquí podemos puede, parce que c'est le verbe pouvoir, mais c'est une sorte de condition. Conditionnel n'est capable de faire bon temps, comme ça tout le cas faire mauvais temps. Mañana puede hacer un buen tiempo. Nous devons dire tout. Mañana puede hacer un malo tiempo. Puede hacer frío. Mañana puede hacer frío. Puede hacer calor. Puede tener niebla. De capable de faire neige. Tout ça. Mañana puede hacer un buen tiempo. Hacer, toujours le verbe faire, cette fois-ci, à l'infinitif, sans conjuguer, parce que lui suivre le verbe pouvoir. Puede hacer un buen tiempo. Hacer, nous écrit hacer à l'infinitif parce que c'est un verbe, c'est toujours verbe faire, mais il suit un autre verbe. Le verbe se suit, le second se met à l'infinitif. Eh bien, mañana puede hacer un buen tiempo. Puede hacer frío. Mañana puede hacer frío. Puede hacer calor. Puede tener un buen tiempo. Puede hacer un buen tiempo. ¿Ok? Mañana puede hacer un buen tiempo. Para responder, se puede cambiar las preguntas muchas veces, cuando puedas o cuando quieras. Le ouvre o capable de changer moi. Hace bueno. Fait beau. Hace frío. Fait froid, il fait froid. Assez fresco, le temps cool, li normal. Assez chaleur, assez frio, li fait froid, il fait fret, en créole, il fait froid. En français, assez frio, assez fresco, il fait beau. Et le temps est beau, le temps est normal. Le temps est cool. Hace mucho calor. Il fait un pile chaleur. Hace mucho calor hoy. Oh Dios mío, hace mucho calor. Hace mucho calor. Hace calor, hace mucho calor. Il fait un pile chaleur. Il fait un pile chaleur. Hace mucho calor. Hace mucho calor. Hace mucho calor. Hace sol. Hace sol, il fait soleil. Il est ensoleillé. Il est ensoleillé. Il est ensoleillé. Il fait soleil. Pile soleil. Hace sol. Llueve. La pluie a tombé. Il pleut. Il pleut. La pluie a tombé. Llueve. 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 Nieva. Nieva, c'est neige. Neige, nieva. Nieva,
il fait neige, hein? Il neige, nieva, bien, assez poco bientôt, il fait peu de vent, il fait un petit vent, pas un pile vent, un petit vent tout petit, avait dit ou presque pas senti, ou là, bon, s'il fait pas un pile vent, il y a senti chaleur. Assez poco bientôt. Poco c'est peu. Assez poco bientôt. El cielo está nublado. Le ciel est nuageux. El cielo está nublado. El cielo está nublado. Le ciel est nuageux. Le ciel est nuageux. Rapidement, on a pris point pour. El tiempo, le temps. Quel tiempo hace hoy? Hoy hace muy buen tiempo. Hoy hace muy buen tiempo. ¿Qué tiempo hará mañana? Mañana puede hacer un buen tiempo. Hace bueno. O hace malo tiempo. Hace bueno tiempo. O hace malo tiempo. Hace calor. Hace frío. Hace fresco. Hace mucho calor. Hace sol. Llueve. Nieva. Hace poco viento. El cielo está nublado. Je dis à nous de parler de temps. Ou capable d'écrire température, qui temps l'y fait, quel temps fait-il aujourd'hui, demain ou hier, capable de parler de temps. Eh bien, si vous avez un vocabulaire, ça, ou avez une petite phrase, ça, ou capable de parler de temps sans problème. Parce que si vous aimez mes vidéos, ou abonnez avec channel là, pour toujours jouer une notification, ou activer la cloche. Là, côté qui dit tout là, on peut tirer sur personnaliser ou mettre sur tout pour capable de une notification chaque fois que nous laguons une vidéo. Et si vous aimez mes vidéos, quittez un like pour nous. Et puis, vous quittez un commentaire. Pas oublier le commentaire, vous pouvez quitter good job. Pas quitter bon travail pour nous parce que nous ne pas aimer commenter ça, nous ne pas bon pour nous. Vous devez dire nous merci dans le commentaire. Vous devez dire encourager. Vous devez dire moi même. Mais pas quitter good job pour nous, pas quitter bon travail pour nous. Gracias. Veremos en otro video. Adiós.